dans le dos, c'est mieux qu'on se croise, hein. La squad de cette saison qui est imbattable, c'est la squad de Spoit. Vraiment. Ouais, il est avec Jedi et tout, non? Bah, il gagne tous les tournois, voilà. En plus, hein. Oh, c'est trop fort. Yo, Tiger. Yes. Il joue avec qui, Spoit? Spoit, Jedi, des fois il joue avec Rixo, mais c'est qui son équipe type? De tous les jours, il joue avec Bonk, Hungry de chez G2, Savage et Jedi. Ouais, mais Hungry, tu vois, c'est... Ouais, je sais pas s'ils le prennent pour le rôle qu'il joue dans l'équipe ou s'il joue en mode full bâtard, tu vois, ils s'en foutent. Mais je le trouve pas ouf, Hungry, en vrai. Mais oui, genre Hungry, etc. Hungry, Jedi, ils sont grave, genre, ils sont prenables. Ouais. T'as spoité Bonk, c'est incroyable. Bonk, il cheat pas? Ou il s'est pas fait boost pour cheat? Il a pas perdu 800 points un jour, là, où j'ai cru voir ça? Non, Bonk, il a juste 5 ou 6 comptes ban. Mais comment ce mec, tu vois, il peut jouer avec le plus gros influenceur R6? Il est super fort, c'est indiscutable, mais il a 50 ban, gros, je comprends pas. Pourquoi Spoit, c'est le mec le plus connu sur R6 pour faire de la ranked, il joue avec des mecs comme ça? C'est ça que je comprends pas, en fait, tu vois. C'est juste ça que je comprends pas. Tu regardes Spoit, tu regardes Sheiko, il joue que avec des mecs FR qui sont trop forts, mais il y a zéro doute. Spoit, il est toujours avec des mecs bizarres, gros. Ou s'il est pas bizarre, il perd des 700 points dans des saisons, enfin tu vois, c'est... Je sais pas, c'est pour ça les gens ils me disent qui c'est le meilleur entre Seiko et Spoit, mais pour moi il y a pas photo, tu vois. Je sais pas, même si Spoit mécaniquement, dans la vision du jeu, c'est top 5 des meilleurs joueurs du monde, il y a pas de souci sur ça, mais... Je sais pas gros, trop bizarre. Je suis complètement d'accord avec toi, mais après il y a pas photo entre Seiko et Spoit. Mais oui. Seiko il remporte... Mais il remporte le duel, mais les gens qui disent Spoit meilleur que Seiko, s'il y en a dans le chat, je suis désolé les gars, mais vous avez rien compris au jeu en fait. Mais après il regarde peut-être les lives à Seiko... Mais Seiko en live, il est trop fort. Spoit en live, pour moi il fait pas des trucs de fou, gros. Mais hors stream, peut-être qu'il a un collègue qui toggle, mais il a tout... On s'est trade. Je sais pas, il sait tout, gros. Il fait des saisons à 2KD, top 1 mondial, 10 000 MMR. C'est ça qui rend Spoit bizarre. Après, qui cheat ou pas, c'est bizarre. Après, il y a des rumeurs qui disent qu'il a des comptes pas qu'il cheat, etc. Mais il n'y a pas de preuves actuelles, tu vois. Pour moi, c'est pas un mec qui cheat. Pour moi, c'est pas un mec qui cheat. Par contre, ça peut être un mec, pour moi, qui... tu sais, qui hors stream toggle, un mec qui cheat dans son partage Discord. Et juste, il gagne un temps fou à pas droner. Enfin, tu vois ce que je veux dire, à juste avoir des petits calls. Mais lui, après, tellement qu'il est bon et qu'on connaît son niveau, ben on s'en rend pas compte, tu vois. Mais je sais pas. Lost, rappelle le game. Nice shot. Bien joué, man. Je sais pas, c'est trop bizarre les sorts. C'est vraiment trop. Oui, Anto. Enfin, un joueur juste, un joueur. Et je sais pas, Spoit il est hors. Spoit ne cheat pas. Il a des 1v1 avec Arbitre contre des pros. Non, mais les gars, je sais, sur la chaîne de Godsend, je regarde. Mais le mec est trop fort, y'a rien à dire. Mais. Je sais pas. Enfin, il a des stats, c'est bizarre un peu. Il joue avec des mecs bizarres, c'est ça le truc. Alors que des blazes, des trucs, ils sont top 1, top 2, des Sheiko, des Cheesy, des Fallen, j'en cite plein, quoi. Il y a pas de doute, tu vois. Tu sais que les mecs, ils sont avec des escouades legit. Mais Spoit. Moi, c'est un ranked, hein. Spoit bizarre, je sais pas. Malgré que ce soit pour moi des meilleurs joueurs du monde, y a pas à dire, tu vois. Je critique pas Spoit, je critique juste, je sais pas, la réputation qui se fait en fait. S'il cheat pas. Ou s'il est pas boosté, ou si, tu vois. Après, c'est un débat, hein. C'est un débat, effectivement. Mais c'est un débat que auquel on n'aurait jamais une... Non, non. Réponse, je pense. Après, tu vois, s'il faut, je vais dire une dinguerie, là. Mais même si un jour Spoit, il se fait ban, je suis sûr que... Enfin, genre, Ubisoft va le couvrir à mort, tu vois. Ou soit, ils vont le déban, ou... Je sais pas, gros. Je sais pas. Trop... Il fait trop d'argent, gros. Il est trop regardé. Il a. Je sais pas. Mais déjà, juste quand l'autre a. Il y a Nox là. Ouais. Ouais, là, il a son compte en 35 secondes. Il s'y fait des bannes. Mais oui, gros. Quand t'as des digits qui se font ban, ils prennent 9 mois. Tu vois. Gros, tu veux que je t'explique un truc, gros? Moi, j'ai eu un compte ban. Un compte ban là, récemment. Voilà, c'est un compte d'un collègue qui avait des glaciers. Il jouait plus. Il m'a dit, vas-y, joue dessus. Donc moi j'y joue dessus parce que tu connais, j'adore les glaciers, je suis un fan d'R6, je veux les meilleurs camos du jeu, tu vois, normal. Bref, je reçois des connexions du Brésil sur mon compte Ubisoft. Et je leur dis, Ubisoft, en ticket, c'est bizarre, on se connecte à mon compte depuis le Brésil. Là ils me disent, ouais, le seul truc que t'as à faire, c'est de changer de compte. Changer de mot de passe, de ton compte.
Moi je leur dis ok, y'a pas de si, je le fais. Mais c'est bizarre, j'ai encore des connexions. Deux jours après, je suis ban pour cheat. Voilà. Après, c'est bizarre, genre y'a pas eu de message de W-Riff, etc. Mais si, ils m'ont dit eux-mêmes en ticket Discord. Et ça, c'est Gaël, tu sais, le mec qui gère toute la compa sur R6. Ouais, il m'a dit laisse le compte, il est mort. Personne t'aidera, t'es pas spoil. Je lui ai dit ok, y'a pas de galère. Mais juste, j'aimerais avoir la réponse, tu vois. Pourquoi on m'a. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Il m'a dit, il va demander à des mecs d'Ubisoft, donc j'ai des contacts, je vais aller quand même demander, parce que j'aimerais comprendre. Il est derrière la box. Ouais. Mais... Encore une fois, tu vois, c'est Spoit, il se fait des bans dans la seconde, comme tu dis. Mais ouais, moi, mais j'ai rien triste. Fait. C'est triste. Mais ça, c'est Ubisoft, c'est hein. Dire. Bah oui. Les deux frères, tu les as vus. Bizarre. Il y a un mec qui demande. Un derrière la box, bah les deux derrière la box. Mais... Ça vaut quoi, Sam? Spoit, il cheat, c'est sûr. Non, il cheat pas. Pour moi, il cheat pas. Blaz stream encore. Je pense qu'il stream encore, ouais. Il y a des rumeurs qui disaient que Spoit cheat, moi je pense en vrai. Moi je pense pas les gars, je pense pas. Oh le cheat. Selon c'est moi, vrai. Se faire suspecter de cheat sur R6 quand t'es bon, c'est un gros compliment. Ouais, non mais c'est ça. Mais c'est sûr. Bah, après... c'est bizarre que... Bah tu vois, quand tu joues contre Spoit, t'as l'impression qu'il cheat, etc. Mais tu... Il y a plein de trucs qui disent aussi qu'il cheat pas. Ouais, alors je sais pas... Tu es à niveau 400, jamais ban. Tu dis quand même c'est bizarre, tu vois. Ouais bah oui. Ben il est top dans les grades depuis le début du jeu, depuis qu'il est plus quoi mais... Non mais ce mec il cheat pas Spoit. Pour moi il cheat pas. Non mais il cheat pas mais si je suis un joueur mec qui connaît tous les mecs à du jeu, il connaît son oui. Par cœur, il oui. Tout par cœur et puis oui. Il est ultra bon. Non mais ça c'est sûr, il connaît tout du jeu. Et c'est juste que le mec il a passé sa vie sur ce jeu là, il l'a tryhard mais jusqu'à ce qu'il en puisse plus quoi. Ouais je sais. Qu'il ait plus rien à savoir. Mais alors encore une fois, Sheiko pareil. Sheiko pareil, Sheiko il a... 10 000 heures sur CS, ou si ce n'est plus, il a je sais pas combien d'heures sur R6, et ouais. Il joue qu'avec des mecs legit, bon. Y a aucun doute sur Sheiko, tu vois. Encore, il s'est fait ban, ah bah oui. Parce que vas-y, Pengu, c'est la moula gax du jeu, il parle, t'es ban dans la minute, que tu t'appelles qui tu veux, tu vois, bon, ok. Mais Spoit, il a jamais Sheiko, il a jamais cheat, gros, c'est certain. Personne n'a de doute là-dessus, tu vois. Alors que Sheiko, encore une fois, alors que Spoit, je vais y arriver, regarde dans le chat, y en a plein qui me disent qu'il cheat, alors que pour moi, il cheat pas. Mais encore une fois, il joue qu'avec des mecs legit et. Voilà. Pour moi. Mais attends, déjà, ça cheaterait. Il cheaterait déjà, ça c'est vrai. Mm-hmm. Et puis en plus, il serait ban directement parce qu'il joue en Pro League. Pourquoi il laisserait jouer s'il cheaterait? Après, Spoit, on lui a demandé s'il voulait faire de la Pro League. Il a quand même dit non, moi je veux rester en Ranked. Non, il est-ce veut rester que... en Ranked. Est-ce ça, que. Mais ça, je trouve ça bizarre quand même. Bah oui, est-ce que... bah oui t'es le meilleur joueur du jeu à skip et tu veux pas faire de la compète. Enfin, tu vois, après, c'est ça. T'es le meilleur joueur ranked, etc. Et il dit quand même non, genre. Et après, les gars, moi je peux comprendre, hein. Il se fait facilement 10k lui. Plus, beaucoup plus. Alors qu'est-ce qu'il irait faire en compète avec un salaire peut-être à 5000, tu vois. Ouais, et après. Les max qu'il gagnait, c'était Rogue, il gagnait 8000 balles par mois. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec 8000 si lui il se fait beaucoup plus déjà en ranked? Oui, ça je comprends, ouais, je comprends. Tu vois, moi c'est compréhensible. Genre, tu perds du temps, après il est étudiant, etc. Genre, en vrai, moi je pourrais comprendre. Ouais, c'est ça, Nixie, hein. C'est vraiment le chouchou d'Ubisoft. Ça, par contre, je suis d'accord, vraiment. Sheiko bien meilleur et plus méritant. Mais oui, bien sûr, on est d'accord. Dégage. Après, il dorme. Vas-y, moi je vais vous laisser les 100. Mizu, bref. Spoch, il a l'âge pour la compète, il est pas mineur encore. Il a pas fait 18 ans récemment ou il va les faire dans quelques jours là? Il a fait il y a 5 mois, wesh. Ah ok, bon, je connais pas sa vie donc je m'en branle un petit peu d'ailleurs. Mais je savais pas, ok. Bon bah il est... Tu vois, il a l'âge, pourquoi il va pas... Enfin voilà. Encore le débat de pourquoi il va pas faire de la compète. Peut-être qu'il a juste pas envie et que voilà. Hein. Après moi je l'ai déjà prac. J'ai déjà prac contre lui. Ouais. Et je comprends pas, genre en fait il prac avec une équipe. Avec Hungry, etc. Et du jour au lendemain ils ont split. Bah je sais pas. Pour aucune raison, etc. Genre, en fait ils étaient pas encore annoncés, etc. Tu vois. Dans l'armée, Lost. Derrière la box armée. Bien joué. Oui, bah oui, Antoine, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, bah oui, aussi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Enfin, bref, I don't know. Après, les deux restent des kings.
Mais par exemple Bolo. C'est quand même dommage qu'il fasse pas de la Pro League Spike, parce que je pense qu'il aurait été. Oui, bah, je un crois, oui. Monstre quand même bien dedans, genre. C'est, je moi bon, j'espère hein, mais enfin j'espère qu'il fera de la compète justement encore plus que. Bah, moi déjà la première fois que je l'ai connu, genre c'était il y a 2 ans, et je me suis dit mais il va aller jouer en compète, il va aller jouer en Pro League et tout. Mais moi c'est ce que je me suis dit par rapport à Bolo. Quand j'ai vu sa réponse, j'ai vu. Mais oui, mais c'est bizarre, c'est pour ça, c'est bizarre. C'est le meilleur joueur au monde, et il n'a pas envie d'aller en Pro League, genre. Il y a certaines raisons, ça peut être compréhensible, etc. Mais avec. C'est le meilleur joueur. Attends, par contre, je te reprends sur un truc. Je te reprends sur un truc, c'est le meilleur joueur du monde en ranked, par contre. Parce que c'est vraiment différent, je te le dis, hein, rien à voir. Parce que pour moi, le meilleur joueur du monde, c'est pas du tout Spoit. Hein. Ah bah non, là-dessus, c'est. Là-dessus, ça pourra pas être cité tant qu'il n'aura pas été joué. Tant qu'il n'aura pas. Jouer en Pro League, parce mais que il jouera, je pense pas qu'il jouera. Hein. Donc, voilà. Mais c'est pour ça, genre. Mais pour moi, après, vous me direz hein, dans le chat, non, mais. Dans le pour moi, les meilleurs joueurs du monde, c'est qui c'est des Sheiko, des LMs, des Bridé, des Citizen, des Blaze, Kanto à l'époque, des Joystick, des Shepard. Calmine comme ça, je comprends pas le rôle. Tu peux me donner droner bas blanc ou pas? Yuzi. Il est bas tour, il est bas tour. Il est vers mon ping. Y'a personne de bas blanc. Il est à petite tour normalement. Un baron ping, le split. Il est à ma gauche là sur ping. Oh, il m'a déchiré gros. Je pensais pas qu'il me regardait en fait. Il est contact. Bah, t'as 3 flashs, hein, tu flash, c'est. Ok, il a loupé son C4. Ok, un pilier, un kit pick. Nice shot. T'es encore avec ton pulse là? Nice shot. Petit tour. Bien joué, Atomic. Ok, je l'ai vu, t'inquiète. On l'a tous vu. Là, c'est oh là 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 là. C'est pas des lol hein, la AVE hein. Skulls, Atomic. Est-ce qu'il a pris les billes hein? Note des lol hein, cette équipe. En fliquant, j'ai frappé mon téléphone sur mon tapis. Les écrits, j'allais vraiment pas le faire. Tu veux finka, Zach? J'ai le revis en face hein. Désolé, je pouvais plus parler. Tu as une rank en plus, c'est des smurfs. Hein. Je t'ai dit dans l'écrit parce que j'avais 30 secondes de cooldown pour Voice Meter qui serait active. Mais je t'entendais. Y'a Renshiro que je trouve monstrueux malgré les années passées. Oui, aussi, hein. Renshiro monstrueux. Bah, après, j'allais citer toute l'équipe BDS, mais pour moi, c'est la meilleure équipe. Mais faut qu'ils arrivent à. Qu'ils arrivent à gagner en tournoi. Putain. BDS, ils ont une équipe, elle fait peur, gros. Mais ouais. Vraiment, BDS, il leur manque juste. Je sais pas si c'est de l'expérience ou quoi, mais. Mais il leur manque, je sais pas quoi, moi aussi, j'arrive pas à comprendre ce qu'il leur manque. International, genre en Europe, ils dominent vraiment tout. C'est. Internationalement, ils arrivent. Ouais, c'est ça. Malheureusement, toujours faire genre des top 3, top 4, mais ils arrivent jamais à. À concrétiser, ouais. Exactement. C'est dommage. Bonne nuit, érotique. De quoi, Schweppes? On est en mode ranked, mon petit Iron. On papote, on fait un débat. On débat. Nous débattons. 30 secondes, je serai là-dessus. Ouais, Libby, elle est tuée. J'ai plus, je l'ai pas en 30 secondes. Rentre. Toujours à mes canapés. J'attends qu'ils se montent en fait. Toujours canapé. Genre en face du T1 là, devant toi. Y'a pas de retard. Okay. Il est devant toi du coup. Rentre. Ah bah c'est un vrai. What the fuck. Canapé. Contact à droite. Bien joué les gars. Il est visé pendant 5 secondes je crois lui. Je pensais que c'était un alibi. Non mais en vrai ouais pour clôturer là sur le débat Spoit Sheiko, y'a pas photo hein.
C'est pas le même monde en fait. Ranked et compétition, ça a rien à voir en fait. On peut pas comparer. Ça a rien à voir les deux. DSM Empire, Don One et même Sonic s'il termine BDS. Après. Faut voir dans les prochaines compètes. Hein.